Nous, la grève de la faim, il y a une grève illimitée. Parce qu'ils nous trouvent ça injuste qui Ivan Colanda-Velou et classé WA, il prend une décision pour licencier et 125 employés et de l'autre côté pour recruter ban nouveau employé la CWA. Quand durant ban réunion, nous ne sommes pas comprendre qui pour lui et que sur l'équipe de la CWA, je n'ai pas croire dans compétence, je n'ai pas croire dans l'efficience quand je finis prendre les autres travailleurs, bien sûr, dans à la CWA qui je peine en même l'expérience ou bien et performance. Nous finissons toujours dire que c'est une décision politique qui finit prendre et nous pensons qu'il y a besoin d'une décision politique qui peut besoin prendre par le gouvernement. Mais reconnaître que le Premier ministre est une personne qui croit dans le dialogue et m'espérer qu'il peut ouvrir le dialogue pour capable trouver une solution à sa 108 employés, ex-employés de la CWA. Ben, ex-employé de la CWA, je peux vivre un calvaire extraordinaire. Parce qu'il y a assez la même, il y a plusieurs parmi eux, pas capable de tirer une ration, pas capable d'amener une ration dans la case. Pour nous, il y a plusieurs négociations. Et bien sûr, et pas fini abouti à non rien. Et nous pas fini dans l'autre choix. Fini dans plus qu'un mois, ça mon camarade là, je ne peux pas travailler. Et pour nous, le combat, il peut continuer et jusqu'à qui fait la justice à sa 108 employés de la CWA. Nous pas beaucoup depuis là tant qu'il nous pas gagne un dénouement positif, veut dire dans l'intérêt des travailleurs. Moi, inga c'est un mauvais travail là-bas, voilà ben même demandé. Et moi mon petit enfant, mon enfant 3 ans, et mon bien fait dit mon grand-parent. Et nous nous bien quitte nous la case aujourd'hui, venir pour faire la grève. Mais le ministre a ouvert ce lit, qui était trouvé, et ça a fait qu'il peut faire, il n'a pas bon du tout. Parce qu'il n'est pas si souvent, il n'a pas un tas de monde comme moi. Mais il a répondu, nous redonne nous travail, et que nous avons des conditions, tu. Parce que ce qu'il a fait là, c'est une affaire fausse, net. Il met nous des hauts, après il recrute le niveau du monde. Et bien, on a fait dans l'expérience, tandis que nous dans l'expérience. On travaille 8 ans et contracteur. Et puis, quand le contracteur, son contrat est fini, c'est du bien pour nous pour travailler dans CWA. Maintenant, un an, trois mois. Mais un coup de succès que nous pensons attendre, c'est de le barrer. Et d'ailleurs, nous avons des locales, des nous cycles, des nous payslips, tout. Et puis, nous voyons nos enfants, nos responsabilités. Nous ne pensons pas attendre qu'ils nous perdent du travail. On est dans du monde content de notre travail, nous ne pensons pas. D'ailleurs, nous rentrons dans notre travail, dans le dire. Et nous travaillons hot. Parce que nous ne sommes pas là pour faire la grève pour rien. Nous devons gagner du travail. Et nous tous ensemble, vous êtes tous gagnés au travail. Il y a tout le monde dans la responsabilité. Nous perdons du travail, nous avons 19 ans de service dans cette ACWA. Mais pour nous, rien, nous perdons du travail. C'est d'ailleurs de nous, il n'y a pas de nos causes qui nous tient à nous. Il n'y a aucune cause qui nous tient à nous. Ce n'est pas nous travaillons, nous n'avons pas de choses. Il n'y a pas de aucun problème. Nous travaillons 19 années dans cette ACWA. Quand à Ken Sotin allait nous en place, c'est doit prendre nous un an, bon, ça, contrat, on travaille. Après nous donner 3 mois, après ça nous tient nous des jours. C'est la cause nous fait la grève de faim.